Travailler jusqu'à réussir le bon geste, voilà ce que prône chaque jour Pascal Gassien, l'entraîneur du Clermont Foot. Une rigueur qui était déjà de mise chez Corinne Diacre. En revanche, certains exercices ont bien changé, notamment pour modifier les aspects tactiques et techniques. Il met plus l'accent sur le jeu, il veut qu'on ait plus la possession de balle, donc forcément on travaille là-dessus toute la semaine. Pascal préconise plus de fixation au milieu de terrain, voilà, par la passe courte. Pascal Gassien veut dans un premier temps priver l'adversaire de ballon avant de pouvoir se projeter vers le but. Il veut qu'on joue un petit peu plus au sol, un peu plus vers l'avant, donc ouais, il y a des cheminements qui changent, mais après dans la globalité il n'y a pas grand chose qui a changé. Il est plus sur la possession du ballon, voilà, que les joueurs s'expriment peut-être un peu plus. Mais le fond du sujet, c'est qu'il faut trouver garder un équilibre, hein, c'est aussi important. Hein. Une méthode payante, le Clermont Foot ayant la meilleure défense de Ligue 2 avec 6 buts encaissés. Bien joué, bien joué. Ah, bien joué.